Bonjour, aujourd'hui dans GIMP, nous allons voir comment réaliser une image que qu'on appelle un hors-cadre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hors-cadre? Eh bien, je vais vous présenter un exemple. Vous voyez, c'est une photo, en fait, on a l'impression que le sujet sort de l'image. Donc pour faire ça, on va prendre une photo tout à fait normale et après, on va découper différents éléments pour donner l'impression que notre sujet sort de la photo. Donc on va prendre ça. Vous voyez, là j'ai pris des signes sur la scène. Et puis avec ces signes-là, justement, on va faire un hors-cadre, c'est-à-dire que l'on va faire comme si nos fameux signes et les petits signaux qui sont à côté sortaient de la photo. Alors pour ce faire, comme d'habitude, hein, clic droit, dupliquer le calque, hein, je ne change pas une habitude. Et puis là, on va laisser notre photo telle qu'elle est pour l'instant. Maintenant, ce que l'on va faire, on va créer un nouveau calque. Je vais faire calque ici, nouveau calque, et je vais choisir ici remplir avec transparence. Boum. Donc en fait, j'ai fait un calque transparent, donc il n'y a rien dessus. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, en fait, je vais mettre des bordures à mon calque et je vais colorier ces bordures-là. Alors pour ce faire, je vais d'abord, bien entendu, sélectionner mon calque. Ensuite, je vais dans Sélection, tout. Comme ça, tout mon calque est sélectionné. Et puis, je retourne dans Sélection, je vais choisir Bordure. Voilà. Je vais mettre, par exemple, 60 pixels pour la taille de ma bordure. Je fais Valider. Et voyez, en petit pointillé, on a le contour de mon calque qui est dessiné. Comme il est toujours sélectionné, je vais en profiter pour le colorier en blanc. Alors, pour faire ça, il y a deux solutions. Soit je prends le pot de peinture qui est ici et je vais cliquer directement dans ma bordure. Ou sinon, je prends le pinceau. Voilà, je choisis blanc. Et puis, je choisis une taille de pinceau un peu plus grand. Alors, ce n'est pas grave si ça déborde en fait mon pinceau puisque ma bordure est sélectionnée. Donc, quand je vais dessiner, vous voyez, ça ne sort pas de ma sélection. Et voilà, je dessine ma bordure. Ça, la première étape est faite. Maintenant que j'ai fait ça, je vais refaire sélection aucune. Voilà, comme ça. Il n'y a plus d'autres sélections. Il n'y a pas de risque de se tromper après. Et je vais utiliser maintenant cet outil-là, qui est l'outil perspective. Je clique dessus et je vais prendre le coin de mon calque. Je vais le descendre pour faire comme un effet de perspective. Par exemple, ici. Je prends l'autre coin que je vais mettre ici. Heureusement que je n'ai pas pris des canards parce que, à force de cliquer sur des coins, des coins, des coins, ça fait des coins-coins. Avec des canards, ça aurait été un peu moyen comme jeu de mots. Et je vais, par exemple, voilà, mettre mon calque un peu, on va dire, à peu près comme ça. Voilà. Toc. Une fois que j'ai fait ça, ici, j'appuie sur transformer. Et donc mon calque maintenant n'est plus rectangulaire, il est trapézoïdal sous cette forme-là. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais supprimer des éléments de ma photo qui est ici. Hein. Donc je vais cliquer sur ma photo, je vais prendre la gomme, voilà, et je vais gommer les éléments de ma photo que je ne veux plus. Alors bien entendu, plus la photo est grande, ou plus la photo est complexe, plus ça va prendre de temps. Hein. Vous voyez, hop. Donc là, je le fais quand même grossièrement, c'est surtout pour vous montrer. Donc je vais, hop, gommer. Alors ce qui est toujours un petit peu embêtant, c'est toute la partie justement où il y a les détails, avec notamment les détails que l'on veut garder. Hop, voilà. Alors, pour l'instant, je le fais grossièrement. On va affiner après. Vous voyez. Même à la limite, je peux augmenter la taille, vous voyez, de la gomme pour aller plus vite. Comme ça, hop, cette partie-là est faite. Et puis, je vais réduire la taille de ma gomme pour la partie notamment du bec et du cou du signe pour éviter quand même de le décapiter. Ça serait dommage. Voilà.
Voilà, hop. Je réduis un petit peu la taille de ma gomme ici. Je vais zoomer en faisant CTRL et la molette pour agrandir ma photo à l'écran. Vous voyez qu'il y a encore des petites parties ici qui n'avaient pas été, gommées. Voilà. Toc. On monte un peu. Voilà. Hop. C'est là où on se rend compte quand même que la retouche photo, c'est aussi un jeu de patience. Tac. Et qu'il ne faut pas y aller en version bourrin. Voilà. Tac. Et toc, voilà. Donc là, on a une première partie du travail qui est fait. Vous voyez, on a enlevé toute la partie de photo que l'on ne voulait plus. Mais là, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est bien gentil, mais c'est que l'effet hors cadre, il est un petit peu cassé par le trait justement de la bordure où le coup du signe passe sous le cadre qui est derrière. Mais justement, on va cliquer maintenant sur le calque où on a mis l'autre bordure. Et on va faire la même manipulation. Je vais réduire un petit peu la taille de ma gomme. Et voyez, comme j'enlève cette fameuse bordure, on retrouve le coup du signe. Voyez, et là, il ressort par rapport au cadre. On voit qu'il est au-dessus. On va faire pareil avec l'arrière de notre petit signal. Voilà. Toc. Et voilà notre photo. On va faire fusionner le calque vers le bas. Comme ça, j'ai plus qu'une seule image. Et voyez, ça y est, j'ai réussi à faire un hors-cadre en quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à vous amuser à faire ce genre d'effet sur vos photos. Hein. Et ben j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et à une prochaine. Si vous avez aimé la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis à vous abonner. Allez, bonne journée, au revoir.